Croyez-vous que le conclave pouvait apporter la paix, Cassandra? J'en avais l'espoir. Attention, bandits droit devant, ou présence hostile, ils bloquent la route. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces assaillants sur la route? Plusieurs groupes, quelques archers. Ils ont de meilleures armures que la moyenne. Ils sont trop nombreux pour nous. Si vous y allez, ne vous faites pas prendre à revers. Ils ne font pas de prisonniers. Vous ne pensez pas que ce sont des bandits? Les bandits attendent que les voyageurs soient vulnérables. Ils attaquent en un éclair et personne n'en réchappe. Cela se montre beaucoup trop tôt. Plutôt que de détrousser les gens, ils veulent surtout les éloigner. Soit ils sont bêtes, soit ce ne sont pas de simples bandits. Et ils sont trop armés pour être bêtes. Merci pour l'avertissement. En vue. Soit débarrassé d'eux. D'après mes recherches, il est possible que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Que la paix soit avec vous. Andaran Atishan. Je ne m'attendais pas à croiser du sang dalassien par ici. Je m'appelle Myris. À en juger par vos armes, vous êtes sur le point de combattre. Nous avons probablement un ennemi commun avec ces démons. Vous affrontez les démons toute seule? Affronter les démons, ça ne sert à rien. Il y en aura toujours d'autres, et je n'ai pas le pouvoir de refermer les failles. En revanche, j'ai entendu parler d'artefacts qui réagissent aux voiles. Ils peuvent peut-être prévoir l'ouverture de nouvelles failles, mais je ne m'attendais pas à autant de démons. À mon avis, nous ne sommes pas loin d'un de ces artefacts. Vous pourriez m'aider à le trouver? Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Il ne devrait pas être très loin. Merci de m'avoir accompagnée. Je ne crois pas que je m'en serais sortie toute seule.
Ça ferait l'affaire pour camper. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça pourrait être utile. Voilà qui s'envole.